Parallèlement, nous mènerons une politique d'éducation et de promotion d'une société de non-violence. On demandera notamment à TF1 et à France 2, TF1 renationalisé, de mettre un petit peu moins de séries américaines où on tire dans le tas tout le temps. Parce qu'il faut quand même bien dire que l'anti-modèle américain que l'on nous propose, c'est le modèle des États-Unis d'Amérique où, je vous le rappelle, il y a des tueries aux États-Unis d'Amérique quotidiennes. Sauf quand ça dépasse 100, une centaine de personnes, allez, j'exagère, quand ça dépasse une quinzaine ou une vingtaine d'étudiants tués dans un campus universitaire, on en a quand même quelques dépêches en France. Mais allez, il y a des sites qui sont consacrés uniquement à ça. Tous les jours aux États-Unis, vous avez des meurtres, des murder mass, des crimes de masse. Le site Internet qui suit ça a la gentillesse de nous préciser que statistiquement, on considère que d'un crime de masse, c'est à partir du moment où il y a plus de 4 personnes qui sont touchées. 6 et 3, on ne les comptabilise pas. Donc ça, ça ne va pas. Parce que chez des adolescents, parfois en perte de repères, en manque de repères, déscolarisés, dans des familles décomposées ou je ne sais pas quoi, qui éventuellement goûtent un petit peu trop du chichon, eh bien, voir en permanence à la télévision ou au cinéma des scènes d'hyperviolence, ça peut donner des idées. Eh bien, nous essaierons. On ne va pas jouer les perles à pudeur, mais on essaiera d'avoir aussi à la télévision française des films qui élèvent l'esprit, qui proposent plutôt une société douce, de tolérance, de non-violence, voilà, de respect de l'autre. Nous essaierons aussi de valoriser une société où la valeur suprême n'est pas uniquement la valeur de l'argent, mais aussi le bénévolat, la gratuité. Nous interdirons d'avoir une Rolex au-dessus de 50 ans. Ah, je plaisante, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà.